En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il est passé par là, parce que pour Sydney, ils ont voulu retirer le canoë-kayak, et donc sa discipline, et ils se sont battus et ils se sont fait rajouter par la suite. Et c'est comme ça qu'il a pu d'ailleurs ramener toutes ses médailles. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il oublie vite d'où il vient, parce qu'il est passé par cette case-là, et aujourd'hui, il se met pas à notre place. Aujourd'hui, c'est lui qui nous coupe au pied, donc c'est compliqué. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, Estanguet à la place d'Acosta, il serait médaille d'or kayak. Peut-être que son sport ne serait pas gardé dans les prochaines Olympiades, quoi, en fait. C'est ça, mais après, maintenant, je pense que, en fait, c'est injuste, parce que, en fait, là, dans les sports qui rajoutent, aucun sport est pratiqué autant que nous. Et en France, juste en France, on est plus de 250 000 licenciés, comme je disais juste avant, et c'est plus de 5 000 clubs, c'est énorme. Et ils parlent beaucoup des valeurs des jeunes, etc., mais on a énormément de jeunes, et aujourd'hui, je pense que le code moral du karaté, il renvoie quelque chose qui se rapproche énormément des valeurs de l'Olympisme. Et franchement, c'est une grande injustice, et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour essayer de faire changer les choses. Mais Steven, est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous avez pu discuter au moins avec Tony Estanguet? Non. Non, toujours pas. Ça va arriver. Et pas plus, les responsables de la Fédération de Karaté ont été contactés par M. Estanguet avant la prise de décision? Non plus, mais parce qu'en fait, il n'a pas de justification à nous donner, donc forcément, c'est compliqué.